Notre rôle en tant qu'enseignant, c'est de donner, c'est pas de recevoir. Le plaisir d'enseigner, de voir les gens réussir et progresser, c'est ma progression. Il n'y a jamais de cours type. Même si je sais qu'on s'adresse à un haut niveau, on n'est pas obligé de faire un cours de haut niveau. On peut très bien faire un cours fondamental parce qu'on a besoin de revenir de la base à l'évolutif. Dans tous les cours, on s'adapte immédiatement. Et c'est aussi avec l'expérience que je parle. C'est vrai qu'au départ, on construit son cours. Mais à un moment donné, c'est l'instant qui détermine la technicité qu'on va adapter. Hey ! Ici ! Hey ! Tout dépend le public qu'on a en face, l'âge, le niveau et le moment, l'instant. Ce qui est très important, d'ailleurs on retrouve ça dans le combat comme dans le kata, c'est la science de l'instant. Il faut s'adapter à l'instant. Vous savez, quand une salle est chaude, quand une salle est froide, quand ça flotte, quand il y a de la tension, quand il n'y a pas d'intention, à ce moment-là, il faut absolument saigner l'instant. J'ai envie de faire ça, peut-être que ça ne passe pas, à ce moment-là, il faut transformer le cours. Immédiatement. Et trouver une solution de façon que les gens s'intéressent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe ! Un manuel, soto, étage, alto, chi, et auto, manger. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas que vous avez une légère esquive ici, hein. Souvent dans les cours, je peux créer un enchaînement et souvent on me dit, tiens, ben ça va me permettre de faire le cours ce soir. C'est le but. Ce qui n'empêche pas chacun, bien entendu, de prendre l'idée et de la faire évoluer et d'apporter sa personnalité propre dans son propre club en fonction de son propre public. Allez, un, bras avant, bras arrière, un pied, tout deux, croisé. Si j'ai la chance de donner un minimum de connaissances pour pouvoir la transmettre, avec chacun sa personnalité, ça aussi c'est une récompense. Le karaté, c'est un ensemble qui est composé de plusieurs maillons. Kata, combat, les kumités, les conventionnels, les kions, les bunkai. Tout ça fait partie absolument du karaté. Lorsqu'on est nageur, on connaît le crawl, on connaît le dos crawlé, on connaît la brasse. J'ai la chance d'être ici et d'enseigner à des gens qui ont 40 à 50 ans avec moi. Donc, à un certain moment, le karaté devient prétexte à une réunion d'amis. On se retrouve, on travaille, on transpire ensemble, on vit ensemble. Et en plus, ça permet à chacun, selon ses possibilités et surtout selon son niveau, de transmettre ce qu'on a de mieux entre nous. Et ça, je dis encore, c'est ma récompense. Si je peux continuer à enseigner encore le plus longtemps possible, je le ferai. Jusqu'à quand ? À l'ultime épreuve.